Bonjour à tous, salut les amis. Alors j'espère que vous allez bien déjà, que vous avez passé une belle semaine. Voilà, on se retrouve justement aujourd'hui pour parler pour le coup de la semaine prochaine. Voilà, le but étant d'avoir un aperçu, d'avoir peut-être des prévisions, des conseils aussi pour pouvoir se préparer aux énergies générales, puisqu'ici il va s'agir d'un tirage général pour le collectif en vue de la semaine prochaine, donc semaine du 12 au 18 octobre. Donc pour cette guidance, je viens de me connecter et il m'a été conseillé d'utiliser ce jeu, donc The Everyday Enchantment Tarot. Voilà, donc on va voir les messages qu'il a à nous livrer, tout simplement. Donc installez-vous tranquillement, voilà, détendu. On va passer un bon moment aussi, donc en tout cas je l'espère. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je précise les intentions que j'ai mises. C'est vraiment de pouvoir capter les énergies, les tendances, l'atmosphère pour la semaine prochaine. Et au centre, nous avons de ce tirage l'énergie justement générale, vraiment l'énergie principale. Et autour, j'ai décidé de faire un tirage avec les quatre éléments fondamentaux. Donc ici, nous avons l'élément terre, l'élément feu, l'élément eau et l'élément air. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que peut-être que ces éléments vous parlent, peut-être que vous entrez plus en connexion avec l'un ou l'autre, et simplement, voilà, c'est l'intention que j'ai mise d'avoir des cartes correspondant aussi à ces éléments. Peut-être que dans la guidance, je ne sais pas encore, on va découvrir, mais je ne vais pas forcément faire le lien entre les cartes et la position, notamment en concernant l'élément auxquels je les ai associés. Voilà. Donc peut-être que j'oublierai ou peut-être tout simplement que ça ne me viendra pas naturellement, mais peut-être que vous, si vous avez des affinités particulières avec tout ce qui est élémentaire, les élémentaux ou les éléments et la nature, peut-être que ça pourra résonner pour vous aussi de certaines manières avec cette classification. Donc terre, feu, eau, air. Voilà. Alors, c'est parti. Donc énergie générale, énergie principale pour la semaine du 12 au 18 octobre. Waouh! Alors, on a une arcane majeure ici dans le tarot, The Tower, donc la tour. Alors, c'est intéressant parce que la semaine dernière, pardon, la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on était sur une énergie plutôt lente, une énergie de progression lente, voilà, étape par étape. Et ici, on nous indique bah, que les énergies changent littéralement. On parle ici de bouleversement, de grands changements, voilà, au niveau donc des énergies globales. Alors, là, il y a un message que j'entends, donc je vais vous le partager. Ce n'est pas d'ailleurs quelque chose que je fais souvent, mais j'ai cette information. C'est que il est possible que la semaine prochaine, vous voyez, moi je ressens l'élément feu ici avec l'image de la tour, donc il est possible qu'il y ait des incendies au niveau mondial ou même en France, des incendies importants. Ou alors, j'entends incendie et j'entends aussi tempête, en fait. Vous voyez, on le voit ici. Donc, tempête. Donc, il est possible qu'il y ait peut-être de nouveau des événements comme on a connu des événements assez dramatiques, hein. Voilà, il y a le drame matériel, il y a le drame humain aussi. Donc, on est en plein dans ces énergies et j'ai l'impression que, voilà, on va dire les éléments justement n'en ont pas fini avec nous. Voilà, c'est un bon lien, remarque, avec tout ce que je vous ai dit avant, c'est que je pense que les éléments n'en ont pas fini de se déchaîner et la semaine prochaine, a priori, il devrait y avoir peut-être d'autres imprévus. Alors voilà, donc c'était une parenthèse pour le global, donc on verra aussi, quelque part c'est une prédiction ici, on verra bien ce qui se passe. Malheureusement, c'est pas le genre de prédiction que j'aime faire, mais bon, voilà, je suis aussi, c'est pas dans l'obligation, mais pour moi et par rapport à moi-même, d'être juste et transparent par rapport à tout ce qui me vient et tout ce que je ressens. Voilà. Alors, maintenant, on va parler quand même surtout du niveau personnel. Donc ici, on est, voyez, sur une tour qui s'effondre. Ça veut dire quoi? C'est symbolique. Ça veut dire que pour vous, il y a des bouleversements dans votre vie, peut-être dans votre quotidien.
il y a des choses qui changent radicalement. On est sur une énergie rapide avec l'énergie de la tour, une énergie soudaine, vous voyez, comme un coup de canon. Peut-être qu'on apprend quelque chose, peut-être qu'il y a une nouvelle, une annonce, une révélation qui vient changer la donne, vous voyez. Donc, bien sûr, ici, appliquer en fonction de, enfin, de vous, de votre vie. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, l'énergie de la foudre va surtout frapper dans le domaine sentimental, d'autres dans le domaine professionnel, d'autres, ça peut être aussi spirituel et intérieur sous forme de prise de conscience. Voilà. Après, de toute façon, avec cette énergie de la tour, on est quand même justement d'une manière globale dans des prises de conscience, dans des révélations. La tour, c'est déconstruire, ou alors en l'occurrence destruction, pour ensuite pouvoir reconstruire. C'est toujours ça la tour. Il y a toujours un événement qui vient chambouler le cours des choses pour ensuite amener une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie et pouvoir reconstruire peut-être sur de nouvelles bases. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr, reconstruire sur de nouvelles bases. Et donc, voyez. Que représente cette tour pour vous? Est-ce que c'est, comme je vous ai dit, le domaine sentimental, professionnel? Voilà, je ne sais pas. Je dis aussi que ce n'est pas forcément des mauvaises nouvelles, hein. On verra avec les cartes autour, mais la tour n'est pas forcément que des mauvaises nouvelles qui nous mettent au sol et après il faut se relever, hein. C'est l'élément de surprise, voilà. La tour, c'est des éléments de surprise la semaine prochaine. Alors, on va avancer un petit peu parce que je sens que j'ai beaucoup à parler, beaucoup à dire. Ces cartes aussi sont très très imagées, donc je ressens. Enfin, moi, voilà, je suis pas mal axé sur la clairvoyance surtout et la clairaudience, mais pas mal la clairvoyance. Et bah, les cartes sont vraiment très très riches. Donc, on va avancer et puis ça va nous donner des précisions un petit peu, je pense. Alors, au niveau de l'élément terre, on a le 2 de bâton. Alors déjà, première synchronicité, on ne pouvait pas mieux faire puisque là, on voit sur la batterie du personnage, là, le tambour, je ne sais pas, la batterie, pardon, on a la terre en fait. Hein, bah, j'avais mis l'intention de poser l'élément de terre. Donc, on se retrouve bien synchrone au niveau des énergies, au niveau du tarot et des énergies. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici, ce 2 de bâton? Plusieurs choses. Littéralement, peut-être que justement pour beaucoup d'entre vous, entre nous, pardon, entre nous, certaines de ces chamboulements, de prise de conscience, ça va venir, comment dire, ça va venir affecter nos décisions en fait. Hein. C'est ce que je ressens, c'est il y aura le besoin la semaine prochaine de prendre des décisions claires, de faire des choix. Voilà, et ces révélations qui arrivent, cette nouvelle énergie qui vient un peu chambouler les choses, c'est ce qui vient vous bousculer un petit peu aussi. C'est ce qui vient nous bousculer, pardon, en nous disant, en nous mettant un coup de pied aux fesses, vous voyez, en nous disant, là, ça y est, c'est le moment de passer à l'action aussi. Ici, on est sur une énergie du feu, vous voyez, donc on retrouve encore le feu lié à la foudre. Donc, on nous pousse à l'action dans la matière, dans le concret, à trouver notre place aussi. C'est ce que je ressentais que j'avais du mal à canaliser au niveau des mots. Donc là, je les ai. C'est beaucoup, ici, il est question de remise en question de sa vie au niveau global, parce qu'en plus, c'est une arcane majeure au niveau général, et vouloir vraiment se diriger vers ce que vous voulez, vers vos véritables désirs en fait, vos désirs, vos passions, vos envies, leur donner vie, voilà, hein, leur donner vie, vous voyez. On voit ici un batteur qui est en pleine extase parce qu'il est en train de faire ce qu'il aime, vous voyez. Donc pour certains, il y a des réalisations à ce niveau-là, peut-être au niveau professionnel, peut-être pour amener des changements justement au niveau professionnel. Et j'insiste sur le fait que la tour, quand elle nous touche, voilà, quand la foudre tombe, littéralement, c'est percutant, c'est déstabilisant, ça peut faire peur, ça peut nous, comment dire, vraiment nous déstabiliser, quoi, hein. Mais il faut toujours savoir que c'est pour un meilleur derrière. Voilà, c'est pour la tour, normalement, elle s'appelle la maison de Dieu. La maison de Dieu même, la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Donc, il y a un aspect divin en fait avec la tour. Il y a un aspect divin.
C'est quelque part aussi, peut-être pour certains, une manière de se réaligner, c'est ce que je ressens ici, de se réaligner à votre être véritable, à votre âme, à votre chemin de vie. Hein. Pour certains, il est question d'avoir des réponses et de prendre des décisions en lien avec véritablement votre chemin de vie. Hein. Donc on est sur des choses importantes ici, des prises de décisions importantes. Savoir qu'est-ce que vous voulez apporter à cette terre, qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace, quelles sont vos motivations, voilà. Et comme je vous dis, la tour vient mettre un peu un coup de pied comme ça au derrière pour que l'on s'active et qu'on passe à l'action. Enfin, qu'on prenne des décisions et ensuite qu'on passe à l'action, qu'on acte les choses justement dans la matière et le concret. Alors, je vais remettre ça là. Donc là, j'ai pas mal parlé de chemin de vie, c'est vrai, et puis plutôt de spiritualité, parce que c'est comme ça que je le capte en premier. Alors, je vais voir si j'ai d'autres informations qu'on veut nous transmettre ici. Bah, il faut que vous l'appliquiez, en fait, au domaine qui vous correspond. Sauf que l'énergie des bâtons, c'est l'énergie du feu, donc c'est l'énergie de la passion, de la création aussi, l'énergie des désirs, d'accord ? Donc, avec ces mots-clés, voyez, est-ce que tout ça, ça résonne plus pour vous dans le sentimental, dans le professionnel. Dans tous les cas, on vous dit que dans le domaine affecté pour vous la semaine prochaine, y a un nouvel élan, en fait. Hein. Il y a un nouvel élan parce que vous faites des choix. En tout cas, il y a des décisions qui sont prises. Pour certains, ça sera vous qui serez initiateur de ces décisions et de ces gros changements qui vont arriver. Et pour d'autres, ça va être des éléments extérieurs qui vont venir chambouler les choses, qui vont venir précipiter le cours des événements. Donc, on est sur des énergies vraiment rapides et ça vous amène à peut-être prendre un autre chemin que ce que vous pensiez ou alors... voilà. avec la tour aussi, on est sur des prises de conscience importantes et un effondrement des croyances, de certaines peurs, de certaines limitations aussi, de l'ego, voilà, des choses qui ne sont pas nous, qui n'ont plus le lieu d'être, et donc, et bien, tout simplement, ça va être balayé par l'énergie du feu et par l'énergie de la foudre, et on retrouve encore une fois le feu ici. Alors, justement, dans l'élément feu, ici, donc, qu'avons-nous ? Waouh ! On retrouve, les amis, encore une carte de feu. Donc, c'est décidément très, très, très présent. Cette fois-ci, c'est le 7 de bâton. Alors, je vais refaire une parenthèse sur le global, parce que là, c'est la première chose qui me vient. L'image est très parlante de toute façon. Donc, voyez ici, on voit un côté contestataire, un côté manifestation. On voit aussi des gilets jaunes. Bon, normalement, les gilets jaunes sont plutôt de l'autre côté. Alors, peut-être qu'au niveau global, tout simplement, au niveau politique, notamment en France ou peut-être dans le monde, parce que j'ai pas précisé dans ce tirage pour la France, voilà. La prochaine fois, il faudra peut-être que je le fasse. Mais j'ai oublié de préciser. Donc, forcément, ici, je ne sais pas à où ça s'applique, voilà, quelle géographie, pardon, mais il y a un élan, il y a un mouvement véritablement de contestation, peut-être par rapport à tout un tas de choses, quoi, en fait. Enfin, on le ressent bien aussi de toute façon, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de secret, dans les énergies actuelles, il y a aussi beaucoup de remise en question, d'ailleurs, de remise en question et de contestation par rapport à l'ordre établi, par rapport à ce qu'on nous impose aussi, vous voyez. Ici, c'est un peu le sentiment de révolte, voilà. Donc, ça, c'était pour vous parler des énergies globales. Mais ce qui est bien, c'est que ça me permet d'enchaîner sur les énergies individuelles. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez vraiment être dans un état d'esprit de défendre vos opinions, votre liberté aussi, vos droits, voyez, encore une fois, dans tous les domaines, hein, ça peut être dans plusieurs domaines pour vous, différents, quoi, en fonction de chacun, mais il y a, ça sera pas forcément une révolution, une contestation, quelque chose de violent, mais en tout cas, c'est une affirmation, moi, c'est ce que j'entends, une affirmation de soi, de qui vous êtes, voyez, vous avez votre mot à dire, vous avez, voilà, vous allez vraiment utiliser la communication, la parole, mais pas que, il y aura aussi dans votre manière d'être au quotidien, parce que je le ressens comme ça, on est dans l'énergie du feu, donc
Il est possible que vous alliez vers même un changement de personnalité, d'état d'esprit, et qui vous rapproche un peu plus de votre vérité au final, hein. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. On est sur de l'affirmation de soi parce que on voit plus clairement ce qu'on veut, ce qu'on ressent à l'intérieur, les élans de notre cœur, et eh bien on décide de les faire valoir, quoi, voilà, de les faire valoir. C'est-à-dire s'apporter de l'amour à soi en extériorisant tout ce qu'on ressent, tous nos désirs, tous nos besoins, voilà. Et vraiment, ce que j'entends ici, c'est un conseil, c'est... comment dire? Alors, j'entends un mot pour l'instant, donc c'est protection. Donc, je vais demander protection par rapport à quoi? Parce que j'ai pas la suite là. Protection. Protéger vos idéaux. Voilà, c'est ça. Protéger vos idéaux. Justement, vos... Protéger vos idéaux, vos croyances, votre valeur. Il est question aussi de ça, de la valeur personnelle, avec l'affirmation de soi. C'est bien comme ça que je le ressens. Et comme cette carte était dans l'élément du feu et qu'en plus c'est bien une carte qui représente les bâtons, donc le feu, ça va bien confirmer ce que j'ai dit, notamment peut-être aussi au niveau des événements climatiques, hein. Il y a des choses peut-être assez violentes qui risquent d'arriver. Mais au niveau personnel, c'est une bonne chose d'avoir ces énergies de feu parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de transmutation aussi au niveau énergétique. Pour vous, il y a des gros changements et ça vous donne un nouvel élan, une nouvelle motivation, une nouvelle détermination pour avancer sur votre chemin. Alors, on va découvrir maintenant au niveau de l'élément eau. Nous avons la justice, donc une autre arcane majeure. La justice. Alors, on voit bien aussi là sur cette ligne hein, que potentiellement, oui, il y a des contestations peut-être violentes vis-à-vis de la justice, donc vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de comme des lois aussi, des lois qui peuvent être mises en place. Voilà, c'est vraiment clairement l'énergie qui ressort ici. Donc, au niveau individuel, on est non pas sur une contestation, mais sur une. Alors, comment dire? Une recherche d'équilibre au niveau des relations. Voilà, hein. Je sens qu'au niveau relationnel, il y aura peut-être des hauts et des bas. Peut-être qu'il va y avoir des événements aussi qui vont amener peut-être des disputes, peut-être des choses à clarifier. Hein. Donc, avec l'idée de justice, on est sur la notion de remettre de l'ordre. Voilà, de mettre de l'ordre, trouver la vérité. Peser les pour, les contre, trouver ce qui est bien, ce qui est mal. Et moi, je le ressens forcément avec le domaine de l'eau, donc surtout dans le relationnel, notre relation vis-à-vis du monde extérieur et vis-à-vis des autres. Hein. Donc peut-être que oui, pour certains, il est possible que y ait des conflits, il y ait des situations conflictuelles qui arrivent, peut-être amicalement, peut-être voilà, au niveau amoureux, peut-être au niveau du travail, bref. Mais c'est pour nos remises en ordre, justement. Hein. C'est pour peut-être des fois, vous savez, quand il fait trop chaud l'été, l'orage a besoin d'éclater. Enfin, en tout cas, c'est naturel. Et parfois, quand il y a des énergies comme ça qui sont présentes, mais qui ne se sont pas totalement déployées, à un moment donné, ça s'accumule, et pouf, ça explose. Et il y a un petit peu ce ressenti la semaine prochaine, hein, au niveau des énergies. Donc, besoin d'équilibre, besoin de peut-être de rétablir en effet une justice au niveau des relations. Hein. Il y a peut-être du tri qui va être fait, justement, dans les amis ou dans l'environnement que l'on souhaite, parce que
En fait, c'est la conséquence pour moi, de ce qui se passe au niveau terrestre et vis-à-vis de chacun, au niveau individuel. C'est une sorte de reconnexion, hein, une sorte de reconnexion, un réalignement. Donc forcément, ça amène plus de justice dans votre vie, hein. Vous comprenez, hein, je suppose. Enfin, j'ai du mal à le traduire sinon autrement. Ramener plus de justice et d'ordre dans votre vie. Plus d'alignement avec votre vérité aussi. On parle de justice ici, de l'âme, justice de l'âme, donc de votre âme. Hein. Donc il peut y avoir pas mal d'explications. Il y aura en tout cas des remises en question et on met les points sur les i, voilà, j'entends ça aussi, on met les points sur les i avec certaines personnes. Mais ça peut amener justement par la suite bah, un véritable renouveau, parce que ça y est, on s'est dit les choses et ça permet ensuite bah, d'apaiser les tensions. Alors, je vais voir un petit peu aussi. Pour certains, de manière très concrète, avec la justice et la carte de la tour ici, ça peut nous parler de documents importants, peut-être qui arrivent justement. Donc, ça serait en l'occurrence de bonnes nouvelles, des choses en lien en fait avec l'administratif. C'est ce que je ressens avec la justice, la loi donc, et aussi la tour, et là j'entends la tour comme les bâtiments, mince, comment dire, les bâtiments administratifs justement, voilà, les édifices de l'État, etc. C'était peut-être pas les bons mots, mais j'arrive pas à capter et à canaliser les mots les plus justes. Voilà, donc on va se contenter de ça, les amis. Ok. Alors, ben, la dernière énergie, donc, qui correspondrait à l'élément air. Waouh, on retrouve une énergie du feu. Donc, en fait, on a deux arcanes majeures et que du feu. Donc, c'est intense pour le coup, la semaine prochaine. Mais c'est des belles énergies, hein, les énergies de feu qui entourent. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne énergie. Donc, au niveau de l'air, on a le roi de bâton. Alors, je fais une parenthèse parce que là, ça m'est venu. Je vous ai dit, il n'y a pas de bon ou mauvais. Et alors là, c'est un petit conseil aussi qui me vient avec la justice et le 2 de bâton. C'est que oui, il y a des décisions importantes, véritablement, qui doivent être prises la semaine prochaine. Hein. C'est clair pour vous, quel que soit le domaine. Mais on vous dit ici, visez le choix. Prenez la décision en fait qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir en plénitude, voyez. Essayez de vous projeter, voir est-ce que si je fais tel choix, j'aurai des regrets. Est-ce que je sais que c'est quelque chose qui pourrait me correspondre totalement, voilà, à moi, à ma personnalité. Donc il y aura ce genre de questionnement et de décision à prendre, mais on vous dit ici, vous ne pouvez pas vous tromper à partir du moment où vous écoutez la justice du cœur, vous voyez. Si dans votre cœur ça sonne juste, bon bah allez-y. Et dans tous les cas, de toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a juste le chemin et ce qu'on apprend sur ce chemin, voilà, d'une manière générale dans la vie. Donc c'était la petite parenthèse qui m'est venue. Maintenant, le roi de bâton ici. Alors, c'est bizarre ce que j'entends, c'est que pour beaucoup, on est sur des réalisations personnelles, intérieures, sur la confiance en soi, des réalisations peut-être de vos potentiels en fait. De vos potentiels, j'entends aussi de vos ressources intimes, de vos ressources intérieures, de vos talents en fait, et de toute cette énergie que l'on est capable de dé déployer tous quand on s'investit dans quelque chose qui nous plaît. Voyez? Donc c'est en lien avec ces décisions, hein, on est sur cette ligne, c'est en lien avec ces décisions, c'est aller vraiment, peut-être en dehors des sentiers battus aussi, faire les choses à votre manière, avoir confiance en vous, savoir un peu mieux maintenant, aujourd'hui, grâce à certaines révélations, qui vous êtes.
hein, qui vous êtes et ce que, ou en tout cas ce que vous voulez être, ce que vous aimeriez aussi éventuellement obtenir, hein, parce que ce personnage peut-être que voilà, il peut aussi avoir besoin de reconnaissance, avoir besoin, bon, voilà, je vais pas énumérer tout, mais vous avez compris. Mais et là aussi, on voit un personnage qui inspire toute une foule. Donc dans tous les cas, on sera inspiré la semaine prochaine et notre inspiration et notre façon de répondre à cette inspiration venant du cœur va inspirer tellement d'autres personnes, voilà, autour. Hein. Donc, au final, on a tous la capacité ensemble d'amener des changements au niveau de la conscience, au niveau de l'énergie globale, en utilisant notre énergie de feu intérieur, en allant puiser dans notre énergie du feu, qui est d'ailleurs bien représentée par le roi de bâton, qui va donc nous parler ici d'un état d'esprit de détermination, de le roi de feu, c'est aussi le visionnaire, hein, c'est aussi suivre son propre chemin, savoir, encore une fois, ce qui est juste, nos valeurs, savoir ce qu'on sent être juste et se donner à fond pour pouvoir le réaliser, hein. Et peu importe justement ce que les autres en pensent, de toute façon, il y aura toujours des personnes pour contester, pour critiquer qui vous êtes ou ce que vous faites, mais il y aura aussi, pensez à ça, énormément de personnes qui seront inspirées juste par votre être, par votre âme, qu'ils arriveront à voir dans le verbal, dans le non-verbal. Donc ici, on nous dit, en fait, c'est important de croire en nous et d'aller puiser en nous toutes les ressources qui sont déjà présentes. Voilà. Le roi, c'est celui qui a déjà masterisé, qui maîtrise l'élément du feu. Hein, donc, ça veut dire que pour beaucoup, il y a déjà des potentiels qui sont prêts à être utilisés. Et c'est pour ça qu'il y a cette mise en avant, en fait. Les choses évoluent et les choses évoluent rapidement. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal pour aujourd'hui. Déjà, je pense. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien. Voilà. Merci pour votre amour aussi parce que bah, je le ressens. Donc, voilà. J'ai pas grand-chose à dire à part merci, merci, merci. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien de ce week-end aussi, les amis. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.